le point d'arrivée, ça va faire insistant, non? Ça fait déjà une demi-heure. Je sais bien, chouchou. Mais je sais plus comment faire, si je dois réchauffer mes petits farcis ou pas. Je sais bien, chouchou. Bon, je vais réchauffer mes farcis. Oui, c'est au deuxième. Gauche. Deuxième gauche. Chouchou, t'es où? Chouchou, t'es où? Ils arrivent. J'arrive, petit farci. Une belle, un petit bisou. Un gros bisou. Pour ma chouchou chérie, à moi que j'aime. Ils sont comment mes cheveux? Oh, magnifique. C'est toi la plus jolie des chouchous. C'est eux. J'y vais. Tu m'aimes? Oui. Oh, ils sont dans l'escalier? Ils sont sûrement dans l'escalier. Bonjour, bonjour! Tes embouteillages sur la ligne, tu peux pas savoir. C'est l'horreur, l'horreur. Je suis vraiment désolé. Mais pas du tout. Je te présente Patricia. Bonjour Patricia. Chez nous, c'est 4. Ah ben 6. Je vais vous chercher Chouchou, elle doit être dans la cuisine. Entrez, entrez, asseyez-vous. Chouchou! Tu comptes faire la gueule toute la soirée? Je sais pas encore, j'ai pas décidé. Bon, ça va, arrête. Ah, ne me parle même pas. Je vais vous prendre vos affaires. Mais d'abord, je vais vous présenter Chouchou. Chouchou, je te présente Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, ça va? Et sa copine Bonjour la copine. Patricia. Oh, Patricia, j'ai une cousine qui s'appelle Patricia. C'est pour vous. Oh là là, des fleurs, j'adore ça. Oh, mais fallait pas, c'est trop gentil. La vie, chouchou, regarde le joli bouquet. Il est magnifique, hein. Je m'en occupe si tu veux, ma chérie. Oui, maman, et les affaires surtout. Mais je le ferai après. D'accord. Ah là là, asseyez-vous. Je suis vraiment désolé pour le retard, hein. Quand vous m'avez appelé, c'était impossible d'avancer sur la lutte. Et sur la robe, je t'en parle même pas. Donc moi, je pourrais mettre les fleurs, chouchou? J'arrive! Je reviens tout de suite. Vous êtes assis, c'est parfait. Je te remercie de m'avoir souri. Tu continues? Je me casse, j'en ai rien à faire. Je me barre et je te laisse avec tes potes. Ben fais-le! Casse-toi! Qu'est-ce que tu veux que ça te fasse? Je vais le faire. Je vais vous prendre vos affaires. Je vais les mettre dans la chambre. Merci. Merci. C'est bon. Je reste, mais tu vas vivre un enfer. Mais qu'est-ce que t'as ce soir? Oh, tu sais quoi? Ça va, là j'ai ma dose, allez, je te laisse avec tes potes, passe une bonne soirée. Tu t'en vas? Et qu'est-ce qu'il a fait de mon sac à main, ton copain? Bon, ça va, t'en vas pas. Alors, on va mettre les fleurs ici. Comme ça, on pourra les regarder pendant tout le repas. Elles sont vraiment très jolies. Merci. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Vous savez que Chouchou est comme un dingue depuis qu'il nous a recroisés? Il paraît qu'à la fin, vous n'arrêtiez pas de délirer tous les deux. Ouais. Tu sais, Chouchou, je crois qu'avec Christophe, vous pouvez quand même vous tutoyer, hein. Bien sûr. J'osais pas. Ça me fait bizarre si tu vous vois. J'ai l'impression de prendre 15 ans d'un coup. Et en même temps, ça fait bien 15 ans qu'on s'était pas vus. Eh ben ouais, ben justement, alors, qu'est-ce que tu deviens? Tu écris toujours? Oui, j'écris pour le théâtre. Et ça marche fort? Tu me sers un petit quelque chose à boire, mon chéri? Oui, ma chérie. Du Porto. Tu aimes Porto? Il vient du Portugal. Ah, ben s'il vient du Portugal, hein. Je vais goûter. Allez. À la vôtre. À la vôtre. Mais elle est où, ta copine? Ah, par là. Je crois qu'elle voulait passer un coup de fil depuis son portable. On va l'attendre. Non. Je vais la chercher. Alors, comment tu le trouves? Il est super sympa, non? Super sympa. Ah, je te le dis, à la fac,
On n'arrêtait pas de délirer tous les deux. Par contre, sa copine, tu la trouves comment? Super sympa, non? Elle est pas un peu bizarre? Quand tu dis ça? Bah, je sais pas. Une impression. Elle a pas dit un mot. Ah bon? Tu trouves pas ça bizarre? Peut-être qu'elle est pas française. Tu crois? Si elle n'est pas française et qu'elle sait pas le français, c'est normal qu'elle parle pas. Ah ben, mais... C'est ça. Elle doit pas être française. Ah! Voilà les amoureux! Allez! Allez, allez, allez! À la vôtre! À la vôtre! Et merci à vous deux pour cette soirée. Ah, excusez-moi. Hello? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Non, pas du tout. Pas du tout, on est en train de recevoir des amis. Un copain de la fac que j'avais pas revu depuis 15 ans. Avec sa copine. C'est qui? Écoutez, elle est juste à côté de moi, je vais vous la passer. C'est marrant. Alors, elle est partie vous prendre dans la chambre, ça y est, elle est dans le couloir, elle entre dans la chambre, elle va décrocher, non, si, et voilà, elle a décroché, alors moi je raccroche, bisous, bisous. C'est la mère de Chouchou. Et vous mariez quand déjà? Le 22. Eh, hey, c'est bientôt! Ah, ça se rapproche, oui. C'est dingue tout ce qui est organisé encore. Hein. Le budget, les places à table, l'animateur, le budget. Parce que le budget, c'est pas une mince affaire. Hein. Ça fait un an qu'on est dessus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il téléphone, c'est. C'est pour faire le point. Je vais aller voir s'il n'y a pas un problème. Et... Je reviens tout de suite! Chouchou? Ils vont s'appeler Chouchou toute la soirée, tu crois? Oh, commence pas! Un couple qui se marie, c'est pile ce qu'il me fallait! Au fait, tu étais en retard. Il y a certainement une bonne raison. Ouais, oui, mais... Je suis désolé, hein, ça se fait pas. C'est la mère de Chouchou, parce qu'on a toujours des choses qui sont encore à organiser. Tiens, notamment, on a des copines de Chouchou qui veulent organiser un spectacle de sketch sur elle. Il y en a une notamment qui sait super bien imiter Dalida. Arriva Gigi Amoroso. Je trouve que ça va être génial. Je vais vous chercher des olives. Non mais, te dérange pas. Eh ben, ils vont se marrer au mariage. Pourquoi? T'aimes pas Dalida? Chouchou! Il y est pas, Jean-Luc? Non, il est à la cuisine. Jean-Luc! Il y a Patrick qui s'est mité chez Bassin. Oh, génial! Ouais, il va nous chanter l'été indien. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Oh, l'été! Je reviens tout de suite, excusez-moi. Oh. Et si en plus... Patrick s'est imité Jolassin. On ira. Nia, 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 nia. Oh purée, c'est délirant cette histoire. Tenez, prenez des olives. Je reviens tout de suite. Je t'ai vu tout à l'heure. Tu étais avec quelqu'un. Ou plutôt avec quelqu'une. Que j'avais connu avant. On s'est croisés par hasard. Elle m'a proposé de boire un verre. J'ai dit oui. Tu dis rien? Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es en retard parce que tu as rencontré une copine. Bon, tu crois qu'ils sont encore au téléphone, là? En fait, je suis pas en retard à cause de ça. Ah bon? Je suis en retard parce que j'avais besoin de réfléchir. Et ça donne quoi, quand tu réfléchis? Arrête! Non mais dis toujours, ça m'intéresse. Eh ben, elle m'a proposé qu'on se revoie.
Et quoi? Quoi, tu viens me demander conseil? Alors écoute, c'est pas compliqué. Envoie la valsée. Oh, allô? Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est pas compliqué. Alors tu sais quoi? Moi je vais te dire un truc. On va faire un truc, mais très simple. Tant qu'ils sont à côté, je peux encore me barrer. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, soit je me lève, je me casse et tu ne me revois plus jamais. Soit je reste, tu la quittes et on se dit qu'on est ensemble une bonne fois pour toutes, ok? 1 2. Ah, vous mariez pas, vous mariez pas. Bonjour la galère. Non, je plaisante bien sûr. Mais alors le traiteur, faut bien choisir. Quel arnaqueur celui-là, j'y crois pas. Ah, mais ça va s'arranger, ma chérie. Et vous, vous allez vous marier? Chouchou. Oui, c'est vrai, ça me regarde pas. Je suis vraiment trop indiscrète. C'est tout moi, ça. Allez, à la vôtre. À la vôtre. Ou alors on fait une table entièrement réservée aux enfants. Et on mélange les enfants et les ados? Non, t'as raison. T'as raison. Qu'est-ce qu'on pense? Un adulte, il vaut mieux le mettre à une table d'adulte. Un ado, il vaut mieux le mettre à une table d'adulte, sinon il passe la pire soirée de sa vie, non? Je sais pas, c'est quoi le problème? On sait pas où sont les enfants, ça fait 3 semaines qu'on bloque là-dessus. C'est compliqué cette histoire de plan de table. Vraiment, vivement que ça se termine, j'en peux plus, j'en peux plus. Prenez les olives. Au fait, j'ai eu ma mère au téléphone à midi. Ah oui? Elle m'a demandé si c'était possible de rajouter un nom sur la liste. C'est qui? Une cousine. Tu les as déjà notées, tes cousines? C'est pas vraiment une cousine, c'est une cousine par alliance du remariage de Pépé Montpellier, je t'en avais déjà parlé. Mais comment on va faire? On a déjà dépassé les 144 invités. C'est cette cousine, elle s'est incrustée, je savais pas quoi dire, moi. 12 tables de 12, ça fait 144, ça fait pas 165. On est ce soir où, les autres? Écoute, on est obligé de l'inviter. Elle avait invité mes parents au baptême de sa nièce. Allez, bisous. Bisous. Tu me fais un bisou? Bon, on fait quoi? On passe à table? Mais c'est comme tu veux, ma petite chérie. Bon, on s'assoit comment? On fait un plan de table? Ah! Je te l'avais dit, il est délirant! Bon, allez, asseignez-vous à table, je vais chercher l'entrée. Je vais t'aider. Il y a autre chose? Ah ben non, pourquoi? Il y a autre chose? Je t'ai tout dit. Ah! On s'est juste revus, c'est tout. Ben voyons! Tu sais ce qu'on va faire? On va dire que ce soir, on se laisse une dernière chance. C'est n'importe quoi. Ok. On se laisse une dernière chance. Moi je t'aime, mais... Tu vois ce que j'aime bien dans cet appart? Hein? C'est qu'on pourrait presque voir la mer depuis la cuisine. On la voit? Non. Ah. Par contre, les voisins, eux, ils la voient très bien, ils sont juste au-dessus. Alors, en entrée, une salade de crevettes à l'avocat. Je vais prendre des assiettes. Elle en mange ta copine, tu crois? Oui, je crois, oui. Je préfère demander. Des fois, avec nos religions, on ne sait pas trop. Tu me donnes un petit coup de main, mon chéri? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux demander à ta copine qu'elle me passe son assiette, s'il te plaît? Elle veut garder son sac à main, tu crois? Non, je crois pas, non, non. Mais je vais lui mettre dans la chambre, alors. Ne dérange pas, je vais y aller, moi. Miam! Chouchou, on n'a pas monté la vie directe. J'y vais. Merci beaucoup pour Fleur. Elle est où la vinaigrette, chouchou? J'arrive. Moi, revenir. Ils se foutent de ma gueule, tes copains? Mais non. Bien sûr que si.
Quoi, moi? Eh ben, qu'est-ce que tu leur as dit? Tu sortais avec une demeurée, c'est ça, hein? Quoi? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bah, qu'est-ce que t'as dit sur moi? Mais j'ai rien dit. Tu me le jures? Mais oui, je te le jure. Alors, moi, je te préviens, ils me sortent encore un autre travers et je leur rends dans l'art. Non, s'il te plaît, faut pas le voir en l'air. Bah quoi, tu veux que je me laisse insulter juste pour pas gâcher tes retrouvailles avec tes potes? Non, 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 fais pas d'histoire. Tu préfères qu'ils se foutent ouvertement de ma gueule et que moi je dis rien, toi non plus, tu dis rien? Je vais leur parler. Eh ben oui, Christophe, je te demande pas grand chose, juste pour une fois, de te comporter comme un mec. Je vais leur parler. Et voilà la vinaigrette. Alors, je sais pas si ça va être bon. C'est la première fois que j'en fais de l'avocat aux crevettes. Si c'est pas bon, tu me le dis. Hein. Surtout, tu te forces pas. Alors, là-dedans, tout est bio. Vous pouvez manger tranquille. Tu vas voir. Il est délirant. Non. Pas du tout. C'est juste qu'on se demandait, Patricia et moi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on est arrivé, en fait, on se demandait si vous habitez longtemps. Ça va faire 2 ans, pourquoi? Parce que c'est vraiment beau, hein. Cette salade, pas vraiment goûter, moi. C'est pas très très bien. Ah bon? Mais je te fais marcher, bourrique. Chouchou! À chaque fois tu cours. Oh, tu es belle. Oh, je t'aime. Et on prend des cours ou elle apprend discutant, ta copine? De quoi tu parles? Bah moi, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol en vacances. En allant faire les courses toute seule. En fait, j'avais tellement pas envie de me faire arnaquer par les commerçants que j'ai appris très vite. Tu devrais lui faire faire les courses toute seule. Oh. J'ai dit que tu ne savais pas. Non, 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 non. Je reviens. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas? Qu'est-ce qu'elle a pu comprendre? Peut-être que les courses, dans sa langue, ça veut dire une insulte. C'est quoi, chouchou, sa langue? Tu m'as pas dit. C'est quoi, sa langue? J'en sais rien, moi. Elle est pas italienne, Patrizia. Ou anglaise, ou américaine. Patricia. Patricia! C'est plutôt anglais comme prénom. Enfin, les courses en anglais, c'est pas une insulte. À la limite, même si elle a compris, of course. Y a pas de quoi se vexer. Oh, tu veux pas aller voir mon chouchou? Dans le dictionnaire? Non, dans la chambre, s'ils sont pas fâchés. De toute façon, le dico, il est dans la chambre. Ah, il sourit. Surtout que moi, j'ai toujours été nulle en anglais. Alors, autant l'histoire, la géo, j'étais très forte. C'était même toujours la première. Mais alors, l'anglais... Je peux en prendre la salade? Bien sûr. Miam! Et sinon, t'as revu des gens de la fac, toi? Alors oui, il y en a un que j'ai revu de la fac, c'est l'autre, là. Alors lui, il n'a pas changé. Oh non, lui non plus, il n'a pas changé. Qui ça? Je crois qu'on a oublié le pain, chouchou. Le pain? Le pain. J'y vais. Et vous? Vous êtes allé au cinéma récemment? Non, non, pas récemment, non. Oui, remarque non plus. Ah, c'est bien tout ça, hein? Il est bien. Il est où le couteau à pain, chouchou? J'arrive! Excuse me! Ils sont complètement tarés. Non. Ils ont cru que tu ne comprenais pas le français, c'est tout. C'est tout? Et d'où ça vient, ça? Non. Tu leur as dit quoi? Que j'étais yougoslave? Mais non. Bah alors, qu'est-ce que t'as dit sur moi?
Mais c'est ta faute. Tu tires ouvertement la tronche. Tu dis même pas bonjour. Alors eux, apparemment, ils ont cru que tu ne comprenais pas le français. Je vais leur expliquer. Mais tu vas leur expliquer quoi? Que je tire la tronche? Non, mais tu peux leur dire pourquoi aussi pendant qu'on y est. Commence pas, ça va. Et voilà le pain. Et qui reprend de la salade? Avec plaisir. Miam. Pain de campagne. Et toi, Patricia? Toi, vouloir encore salade? Ravache, slavani, grotte. Pardon? Ravache, slavani, grotte, salade. C'est ce que tu dis? Rache, slavani, salade. Je crois qu'elle reveut de la salade. Moi aussi, c'est ce que j'ai compris. Rache, slavani, merci. Oui, bien. Slipodorop aquarima. Oh chouchou, y a pas d'eau. Je vais en chercher. C'est quel nom? On avait pas de la gazeuse aussi, chouchou? Dans le carton du bas. Ben, il est plus dans le bas, le carton du bas. J'arrive. I come back. T'es malade? De quoi? Ça va pas, non? Qu'est-ce que tu me fais? Scamorovarine. Tu vas arrêter ça tout de suite, hein? Par la lieva, la sagoliane. Voilà. Chouchou, tu viens? Oh, chouchou, excuse-moi, j'arrive. J'étais en train de finir de remuer le reste de salade. C'est quoi la langue de ta copine? Resta peau bagarine. C'est pas du hongrois? Non. Parce que toute l'électricité dans l'appart, c'est un hongrois qui nous l'a refait. Et quand on parlait avec lui au téléphone, ça ressemblait un peu à ça. Mais c'est où? Non, c'est où? Son pays? Son pays, oui, c'est où son pays? Ton pays à toi, c'est quoi? Pays. Pays. Elle ne comprend pas. Hein. Ici, France. Ton pays à toi, c'est où? C'est où? Et en plus, elle est bête. Where are you from? Ah, my country. My country. Chouvenia. Chouvenia. Chouveni. La Chouveni? Ouais, la Chouveni, ouais. Chouveni, tu connaissais? C'est où? Mais c'est où ça? Chouvenia est à Paramos, Yougoslavia, Parog. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est en Yougoslavie. Ah, les Yougoslaves! Si, Chouvenia, ex-Yougoslavia. La Chouveni, tu connaissais? Bon, oui, quand même. On en a parlé énormément au moment de la guerre. Ah oui, c'est vrai. La guerre des Balkans. C'est pas là où il allait Krouchner à un moment? Oui, voilà, c'est ça. Et elle parle pas du tout français? Petit pot. Petit pot. Peu. Petit peu. Ah, petit peu. Ah, mais non. Mais tu parles bien. Tu parles super bien. Je comprends rien ce qu'elle raconte. Hein. Et comment vous parlez tous les deux? Un petit peu en anglais. Un petit peu en anglais. Oh, Christophe Chouvel Soumedi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu parlais Chouvel, non? C'est pas ça? Si, si. Christophe Chouvel Soumedi. Tu sais parler Chouvet? C'est pas trop dur. T'as appris comment? J'ai pas vraiment appris. Je sais rien dire du tout. T'as appris sur l'oreiller, hein? T'as raison, c'est la meilleure école.
dire Qu'est-ce que tu sais dire je sais que quelques mots, c'est tout. Bah, comment on dit? Comment on peut lui demander? Je sais pas, moi. Je sais pas grand-chose. Je sais juste dire bonjour, merci, c'est tout. Ah bah voilà, comment on dit bonjour? Bonjour. Bonjour. De savoir comment on dit bonjour. How do you say hello in your language? Christophe, chouvenari bonjour. Resti farol, ramol. Ramol? Si. Voilà, ça se dit ramol. Ramol, Patricia. Ramol, chouchou. Nathalie. Ramol, chouchou, Nathalie. Génial, on se comprend. Et comment on dit merci? Merci. Stropié. Stropié? Stropié. Si, stropié. Génial. Génial, on se comprend. Stropié, Nathalie. Parastropiou. Merci. Oh là là. Bon, je vais peut-être aller chercher les petits farcis. Ouais. Ah, comment on dit, je vais chercher les farcis? Ah, je ne saurais dire, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Hein. Attends, je viens avec toi, je vais t'aider à les sortir du four. Il gobe tout, c'est hallucinant. Il faut arrêter ça tout de suite. Quoi, la chouvenie? Mais d'où tu sors ce truc? Mais la chouvenie, tu connais pas la chouvenie? Le pays des choux. Et des chouchous. Le pays des choux et des chouchous. Non, là, ça va dégénérer, hein. Faut arrêter ça tout de suite, ils vont comprendre qu'on se fout de leur gueule. Mais on peut pas. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que je suis devenue française d'un coup de baguette magique? Non, non, c'est 10 fois pire. Si on arrête maintenant. Ah, t'as pas changé, toi. Ou non, toi, non plus, tout n'a pas changé. T'aimes toujours autant les étrangères. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Oh. Et ton italienne? Oh, sole mio. Ton arménienne? Ta hollandaise? Oui, enfin, bon, c'est loin, quand même, tout ça. Et puis, il y a eu ta japonaise aussi pendant vachement longtemps. Qu'est-ce qu'elle devient? Une japonaise? T'as pas de nouvelles? Ça fait 15 ans que je l'ai pas vue. Ah bon? La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 15 ans. Elle, elle retournait en... en Japonie. Resti faripo, Japonie. Ça va, Patricia. Resti faripo, Tokyo. Ah, celle-là. On peut dire que tu l'as aimé, celle-là. Moi, je sais plus. En plus, elle était 10 fois plus belle. Moi, je sais. Ça, vraiment, je sais plus. Hein. T'es resté longtemps avec elle, non? On peut pas parler d'autre chose. Et qu'est-ce qui s'était passé, en fait? On peut pas parler d'autre chose, vraiment, là? Je comprends, mais... Ça te fait encore souffrir, rien que d'en reparler. Non, non, pas du tout, au contraire. Bah si, je le vois bien que c'est pas encore complètement cicatrisé. En même temps, c'était quand même assez incroyable le coup qu'elle t'avait fait. Quand elle t'avait laissé attaché tout nu sur ton lit pendant 3 jours, même que c'est ta mère qui était venue te délivrer. On peut pas parler d'autre chose? On peut parler des Espagnols si tu veux. Des Espagnols? Oh. Tu te rappelles pas le délire à Courcegoule? Ah, oui, ouais. Ça me dit vaguement quelque chose, oui. Courcegoule. Oui, pour ce goule. Des amis à Jean-Luc. Oh, tu rigoles, et c'est toi qui les avais ramenés, cochon. Ça va, oh. Resti fari course goule spagnoles castagnette. Ouais. C'est bon, Patricia. Alors, voilà les petits farcis, accompagnés de pommes de terre. Comment lui expliquer? Pommes de terre. Comment on dit pommes de terre? Ah mince, attends, je le savais. Mais aussi, quelle idée de mettre des pommes de terre avec les farcis? C'est pas grave. Alors déjà, pomme, c'est apple. À mon avis, elle en a déjà mangé des pommes de terre. Je pense qu'elle connaît. Ah bon? Tant mieux. Potatoes. Potatoes, voilà, c'est ça. Ah, je me disais bien que je le savais, ça m'énervait. Ouais, bravo, tu m'étais au chiffre, tu vas où? Je cherche mon atlas, tu l'as pas vu? Non. Ah. Même jamais regardé. Ça y est, le voilà.
C'est un atlas qu'on m'avait offert quand j'étais petit. Alors, comment ça marche, Champagne Ardennes, Asie politique. Alors, attends, il y a un index. Châteauneuf de Grasse, Chili, choisis le roi. Ton assiette va refroidir, Jean-Luc. Chou, ça s'écrit chou, c'est H-O-U. Oui, oui, je crois, oui. Chouveni, chouveni. C'est vraiment très bon, hein. Merci. C'est bizarre, hein, parce que je suis dans les choux et je le trouve pas. Mais c'est parce que ça n'existait pas encore. Si ton atlas date de la Yougoslavie, ça n'existait pas. C'est quoi la capitale? Capitale. Chougrad. Chougrad? Chougrad. Chougrad, Chougrad. Chougrad. Ça a été débaptisé pendant la guerre. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment maintenant? Je préférais qu'on arrête de chercher. On risque de réveiller des souvenirs douloureux pour Patricia. Tu crois? Elle a beaucoup souffert. Je veux dire, personnellement. Tu veux dire que... elle s'est faite... Non, c'est pas vraiment ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin bon... je suis pas sûr que ça soit une bonne chose qu'on se focalise comme ça sur son pays. Ce dont elle a surtout besoin, c'est pas vraiment d'oublier, mais plutôt de se sentir normal. Enfin, si c'était possible. Je comprends, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Rien, rien. Si, goûter ces magnifiques petits farcis et leurs pommes de terre. Magnifique, c'est beaucoup dire. C'est très bon. Merci. Miam! Oh, merci, Patricia! Tiens, mange! Comment on dit merci, déjà? J'ai oublié. Ah oui, c'est vrai, ça, comment on dit merci, déjà? Merci. Comment on dit merci? Tu veux savoir comment on dit merci? Attendez. Ne me soufflez pas, je le sais. Ça finissait comme pied, c'est pas ça? Ah, tu m'as demandé de ne pas te souffler, je ne te souffle pas. Stop au pied. Alors là, tu m'impressionnes. Tu es doué, mon chouchou. Là, t'arrives. Je m'étonne moi-même parfois. Et tu es dans une association humanitaire, alors? Ben non, pourquoi? Vous êtes rencontrés comment? Ben, si tu veux, on s'est rencontrés à Paris. Hospital. Hôpital? Si. Hospital. Vous vous êtes rencontrés à l'hôpital? Yes. Hospital. Elle était venue pour se faire soigner? Voilà. Elle était venue pour se faire soigner. Et moi, j'ai accompagné un copain aux urgences et voilà. Incroyable. Comme dans un épisode de Dr House ou de Grey's Anatomy. Voilà. Et alors, le coup de foudre? Ah, c'est insensé. Ouais, insensé, ouais. Moi-même, j'ai encore du mal à y croire. Et vous connaissez depuis combien de temps? 6 mois. C'est pour ça qu'elle parle pas bien français. Ah, c'est tout nouveau là. Oui, parce que je pense à quelque chose, c'est un peu délicat. Pas besoin de baisser la voix, chouchou, elle comprend pas le français. Oui, c'est vrai. Un petit peu quand même, hein. Elle t'a pas demandé de l'épouser? Non, pas encore. Je dis ça. C'est juste pour que tu fasses attention au mariage blanc. On les connaît, les filles de l'Est. Oh là là, oui! C'est bien connu. Il y en a qui viennent que pour ça, pour passer à l'Ouest, et puis c'est tout. Ça veut pas dire que c'est son cas, hein, mais... c'est juste pour que tu fasses gaffe. Non, mais là, c'est pas du tout ça. Remarque, ça veut plus rien dire, passer à l'Ouest. Maintenant qu'il n'y a plus du RSS, tout le monde est à l'Ouest. Et sa famille est là-bas? Sa famille, oui, je crois, oui. Elle leur envoie de l'argent? Non, je crois pas. Parce que souvent, les réfugiés, ils font ça. Ils travaillent ici et ils envoient l'argent pour leur famille qui est restée là-bas au village. Chouchou, on va porter le vin. Oh, j'y vais, ma chouchou. C'est quoi qui s'est passé?
Comment ça? Bah, en ex-Yougoslavie, la guerre, tout ça là-bas, c'est quoi qui s'est passé? Ah, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre, hein. C'est interethnique, c'est ça? Oui, non, pas sûr qu'on puisse dire ça. Moi-même, j'en sais pas beaucoup plus que toi, tu sais, hein. Ah non. La seule chose que je peux te dire, c'est que avant, les gens vivaient ensemble, les différentes communautés. Et puis un jour, il y a eu des élections. Bon, je sais plus trop où ces élections, mais bon, comme il y avait des élections, bien les gens sont allés voter. Ah d'accord. Ouais. Enfin, ça n'explique pas tout ces élections en fait. Mais en fait, ces élections, ça a fait tache d'huile. Oh là là. Ah non, mais c'est une expression en fait, hein. C'est pas grave. Il est où ton bouchon, chouchou? Dans le tiroir de gauche. Ah non, justement, il n'y est pas. J'arrive. Excuse me. Bravo. Tu as été magistral. Grâce à toi, j'ai enfin tout compris à la Yougoslavie. Tout ce qui va se passer, c'est que je vais craquer et que je vais leur dire à quoi tu joues. Mais pas, tu peux pas. Tu peux pas leur faire ça. Je vais me gêner. Tu veux que je t'attache tout nu sur ton lit pendant 3 jours et que j'appelle ta mère. Et vous? J'avais pas envie d'avoir un enfant. Oh, chouchou. Bah, je sais pas pourquoi. Bah, ce serait bien, petit bébé Chouvelle, non? Ah, ouais, oui. Ils se connaissent depuis seulement 6 mois, chouchou. Oh là là, ça veut rien dire. Moi, au bout d'une semaine, je voulais déjà un petit bébé. Bon, maintenant, ça fait 4 ans, mais justement, on va s'y mettre. Ah mon chouchou, tu te souviens? Tu te sentais pas prêt? Oui, mais toi non plus, tu te sentais pas prête. Ah non, c'est différent. Il fallait d'abord que je me réalise professionnellement. Tandis que toi, ça fait longtemps que tu t'es réalisé. Enfin bref, ça viendra quand ça viendra. Oui, c'est ça, exactement. Allez, qui veut du vin? Merci. Stropié. Dans que chaude. Délirant. T'es déjà allé là-bas? Où ça? Dans son pays. Ah, non, pas encore. Et vous? Parlez-moi de vous. Ça fait longtemps que vous connaissez tous les deux? Avec Chouchou? Oui. Ça va faire 4 ans. Oui, la première fois qu'on s'est vu, c'était au jour de l'an, il y a 4 ans. En fait, on a dansé ensemble toute la soirée que des slow. C'est moi. J'avais demandé qu'on en passe plein. Après, il m'a raccompagné en bas de chez moi. Il est monté. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a littéralement plaqué au sol. Oh non, pas la première nuit. Ah oui, c'est vrai, c'est quasiment rien passé la première nuit. Oh, le vilain. Et le massage de pied. Ah oui, c'est ça qui m'a plu, qu'il se soit rien passé. Oh là là, c'était bien, on était serrés l'un contre l'autre, tout nus. C'était complice, comme si on tenait ensemble dans une petite cuillère. Hein. Mais alors la nuit d'après, oh, ça a été le feu d'artifice. On n'a pas arrêté de la nuit. On était dans un hôtel. Je ne sais même plus repasser par la réception. Tellement je m'étais cassé la voix pour se crier. Je ne pouvais même plus marcher. Je crois que c'est bon pour le fromage, chouchou. J'y vais, ma chérie. Et vous, ça s'est passé comment la première fois? Oui, do not make love. In my country, Chouvenia, before le mariage, n'y était no love. Crac, crac, interdito. Oh là là, vous n'avez pas le droit de faire l'amour avant le mariage? En théorie, surtout. Mais là, mais c'est incroyable. Mais comme au Moyen-Âge! Le prends pas mal, je suis maladroite, c'est pas ce que je voulais dire, vraiment. Mais c'est que ça alors, pas avant le mariage, j'en reviens. Et en même temps, quel
quelque part, j'admire. Faut pas. J'aurais jamais dû vous raconter la nuit à l'hôtel. Oh non, pourquoi? Je suis désolée. Tu es choquée? Shocking? Non, non. Alors, évidemment, ce qu'elle va pas te raconter, c'est qu'après on est parti pendant une semaine en vacances à Saint-Raphaël. Chouchou. Quoi? Rien. Bah si tu me dis chouchou. Alors, à Saint-Raph, on a quasiment rien visité tellement on n'arrêtait pas. Chouchou. La première nuit. Non mais ça va. On va peut-être parler d'autre chose que de Saint-Raphaël. Bah pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, mais ça ne t'intéresse pas forcément. Bon alors chouchou. Bisous. Tu enlèves, j'ai eu bien. Tu nous changes les assiettes? Oh, mon bisou d'abord. Arrête un peu. Qu'est-ce que tu prends, chouchou? Mais arrête de m'appeler comme ça. Bah, comment tu veux que je t'appelle? Bon, ça va, Jean-Luc. Tu es en train de te donner un spectacle, là, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il prend, chouchou? Et arrête de m'appeler la chouchou. Mais qu'est-ce qu'il prend, enfin? Et ça va, donc il m'a dessus, en plus. Désormais, les affaires. Chouchou! Chouchou! T'es contente? T'as ce que tu voulais? Bah ouais, ça commence à me courir un peu, leur petit côté chouchou, mon chéri. J'ai bien calmé, t'as vu, hein? Ah ça, pour être calmé, elle est calmée, hein. Mais t'en fais pas, ils vont passer la nuit tout nus à se masser les doigts de pied. Ça ira beaucoup mieux demain. Elle y retourne bientôt? Où ça? Dans son pays. Non, je crois pas, pourquoi? Je te demande ça parce que on avait mis de côté une couverture pour une association humanitaire. C'était pour le tremblement de terre, je sais plus où, et ils sont jamais venus la chercher. Ils avaient demandé des couvertures. Et alors? Alors? On peut lui donner à Patricia pour sa famille ou pour des gens qu'elle connaît là-bas. Et si jamais elle n'y va pas, on pourra toujours la faire suivre en souvenir. Ah oui, c'est une très bonne idée. Mais je crois pas qu'ils aient besoin de couverture là-bas. Attends, je vais te la montrer. Non, te dérange pas. C'est une couverture toute simple, on s'en est pratiquement jamais servi. En tout cas, je voulais vous dire que je vous envie. C'est vrai, vous, c'est pas superficiel, vous savez vous aimer et vous montrez de vraies preuves d'amour. Je trouve que ce que vous faites, c'est magnifique. Et en même temps, quelque part, j'admire. Non, si, c'est vrai. Et c'est vrai une fois aussi que ça me tenterait bien, un échange plus spirituel. Pour attendre jusqu'au mariage, mais enfin, pas forcément 6 mois, hein. Tiens, regarde. Elle est nickel chrome. On va quand même pas vous prendre votre couverture. Si, trasta de gnocchu veglia. Ah, moi, si ça peut rendre service à des gens malheureux, c'est ce qui compte, hein. Patricia, non, enfin. On n'avait pas aussi un pull rouge. Tu sais, ton pull rouge, un galapin, si tu l'as mis qu'une fois, ça t'allait pas du tout. On peut lui donner aussi. Mais bien sûr. Pullover with the rabbit. Ça me mettrait mal à l'aise, hein. Vous vouliez la donner à une association. C'est pas mis la chercher, ça fait 2 mois. Mais donne à Emmaüs. Non, je donne à Patricia pour la chauvinie. C'est important d'être solidaire. J'avais jamais rien donné pour la chauvinie. Tu m'étonnes. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Trop bien. Il est où le but, chouchou? J'arrive. Il est hors de question que tu partes d'ici avec quoi que ce soit. Ni pull, ni couverture, ni rien. Bah, attends de voir la tronche du pull. Non. Franchement, si je le joue bien, ça mérite quand même de gagner un pull. Ça mérite rien du tout. Et en plus, on repart habillés pour l'hiver. Non. Tu sais quoi? Moi, ça commence à me plaire, cette petite soirée. Non, c'est du vol. Mais c'est pas du vol, c'est des cadeaux. Ça se refuse pas. Et puis, si le pull est vraiment moche, on pourra quand même le revendre sur le bon coin. Patricia, tu m'as bien compris. Tu refuses tout. Alors, Christophe, franchement, sur ce coup-là, moi, je te trouve un petit peu... Quand tu réfléchis à la chose, c'est égoïste. Parce que, réfléchis, la chouvenie meurt de faim à 2 heures de Paris. Et toi, tu veux rien pour eux? Bien sûr. Moi, je crie, vive la chouvenie libre et indépendante. Et autoproclamée, apparemment. Exactement. T'as tout compris à la guerre des balcons. Faut arrêter de délire, là. Si toi, tu refuses pas, moi, je refuse pour toi.
Il y a des limites quand même. Voilà le pull. Il est tout propre. Slavonia. Bon, là il y a une tache. Mais j'imagine que pour un pauvre, c'est pas si grave. Elle ne retourne pas dans son pays avant longtemps. Mais elle connaît pas quelqu'un qui y va avec un camion? Un camion? Mais pourquoi un camion? Bah, ils font des convois humanitaires, des convois avec les médicaments. Un pull, ça prend pas de place. Et regardez, j'ai trouvé ça aussi. Non, c'est un coucou qui donne l'heure et qui fait coucou. Non. Mais tu vois, c'est du plat, Patricia. Je sais pas si c'est très humanitaire comme cadeau, ça, Jean-Luc. Oui, je sais, mais en même temps, c'est que j'aurais voulu échanger le coucou contre le pull. Parce que on a un ami qui organise une soirée lapin, et je m'étais dit que c'était le moment idéal pour mettre ce pull. T'es sûr qu'elle va avoir lieu cette soirée? Mais éventuellement, je peux garder le pull jusqu'à la soirée et puis lui donner après. Tu peux lui expliquer? Non, donne-lui les pulls, c'est pas grave, tu t'achèteras des oreilles. Bon, d'accord. J'ai une autre idée. Non. D'ailleurs, si vous voulez venir à la soirée lapin, tu peux lui en parler à mon copain. Ouais, c'est quoi le principe? Tu connais pas? C'est une soirée où tout le monde est déguisé en lapin et où on mange des carottes. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme, effectivement. Pourquoi pas? Ça n'est pas en français, hein. Je t'en ai assez pris en ce moment. C'est les t-shirts de ma boîte. T'avais pas des casquettes aussi? Tu les as données à ma nièce. Les cendriers? Non. Ouais, j'ai l'autre idée. Non. Patricia, tu l'as bien compris? Tu refuses tout. Embrasse-moi. Pardon? Embrasse-moi. Embrasse-moi. Tu comprends plus le français? Tu sais, si tu veux, je peux te le dire en chouvelle. Ine trasti nivalu tapara stimarol. Ah d'accord, j'avais bien compris alors. Je t'aime. Oh, vous les femmes, excuse-moi pour tout à l'heure. Ouais, pourquoi pas, au point où on en est. Tu m'aimes? Oui. Et cette histoire de Nana, on n'en parle plus non plus? Bon, alors il fallait pas m'en parler si c'est n'importe quoi, hein. Mais tu sais quoi? Je ne sais pas, c'est ici. Il y a dans l'atmosphère quelque chose qui fait que je redeviens toute amoureuse. Pourquoi? Tu l'étais plus? Chut! Voilà! Tu verras, j'ai tout mis dans un grand sac. Alors, il y a du doliprane. Des anti-diarrhéiques, anti-raidiliques, de la chloroquine. Chloroquine. Voilà. Bon, faut pas faire attention à la dalle, elle est dépassée. Mais c'est pas très gênant et à la limite, c'est encore plus efficace. Du savon de Marseille. Marseille. Et des crayons couleur pour les enfants des écoles. Et voilà, le coucou, il sera très bien dans une école. Alors, cendrier, pour la fumare, j'ai pas la deuxième. Mais c'est pas très gênant, de toute façon, avec la guerre en Chouvénie, vous devez bien avoir quelque chose d'unijambiste. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre? Rien, on va pas passer la soirée polarisée sur Patricia. On va la mettre mal à l'aise. Tu pourrais peut-être faire un chèque. Pourquoi? Pour la Chouvénie. Ah non, on n'est pas là pour parler de la Chouvénie toute la soirée. Chèque? Patricia, non. Je le fais à quel ordre? Mais tu vas pas faire un chèque. Juste le truc, c'est si je pouvais avoir un reçu, c'est pour la déclaration d'impôt, ça m'arrangerait. Non, justement, ils donnent pas droit à des réductions d'impôt. Chèque? Pas la peine de faire un chèque, et c'est non, Patricia, non. Rasse la bonne chèque? Je fais un chèque de combien? Je sais pas, 100 euros? C'est pas trop. Donc, mets 80. C'est parce qu'il n'y a pas la réduction d'impôt, c'est pour ça. On va mettre 60 si tu veux. C'est beaucoup pour des chouvelles, non? Fais comme tu veux. Vu qu'on donne déjà les t-shirts et la couverture. Et le coucou. Et le coucou. Je vais mettre 15, c'est déjà pas mal. 15 euros. Patricia comment?
Rostovchinskaya. Elle mettra l'or après. Je vais vous chercher les assiettes. Attends, je vais t'aider. Merci. De quoi? Bah pour le choc, il est à moi. Ah non, tu serais capable de l'encaisser. Bah c'est sûr que je vais l'encaisser. Non. Donne, c'est moi qui l'ai gagné. Non. Tu me le donnes ou je te quitte? Ah ouais, tu me quitterais pour ça. Eh ben j'ai failli quitter pour bien avec ça il n'y a pas très longtemps. Merci. Tu l'encaisses pas, d'accord? Trois pieds. Mais oh, qu'est-ce que t'as, mon chéri? Oh, t'as mal à la tête. Tu veux du Doliprane? Raslavonie, chloroquine. Tiens! Oh là 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 là! Oh non! On va la remplacer lundi, d'ici là on boira du thé, c'est pas un problème. Vous allez quand même pas nous donner votre machine à café! Mais on la remplace lundi! Trop pied! Cela fera les yeux de faire gaffe, une fois sur deux elle perd de l'eau, elle coule à côté. C'est pour ça qu'on la remplace. Mais sinon à part ça, elle marche très bien. On peut pas prendre tout ce que vous nous donnez, c'est vraiment pas possible. Mais si, ça me fait plaisir! J'ai l'impression de me rendre utile, c'est la première fois que ça m'arrive, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous surprend? Ou qui marche plus? Non, vraie générosité, c'est de donner des choses qui marchent. Oui, tu as raison. Tal Pérescavol, Asli. Asli Tal Pérescavol. Elle parle du tableau? Oui, elle a l'air de trouver joli. Non, Patricia, arrête. Kame Ambraman, Pérédigoué. C'est un tableau qui me vient de ma grand-mère. De ta grand-mère? Oui. Mamuchkaya, grand-mère? Oui, c'est sa maison. Kame Ambraman, Pérédigoué. Non, 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 non. Ça lui fait plaisir. Tote Pérédigoué, Mamuchkaya, Nourani. Il est hors de question qu'elle le prenne. Ça lui fait plaisir, vraiment. Mais c'est la maison de ta grand-mère. Non, franchement, c'est pas un problème. Déjà, la maison, on l'a revendue. Alors ça me gêne pas du tout de lui donner du tableau. Tiens, chouchou, amène un grand sac et des journaux pour l'emballer. Allez, c'est parti. Non, c'est vraiment pas possible. Qu'est-ce que je peux prendre comme journal, chouchou? Il y a des petits trucs. Ouh, j'arrive. Remets-le à son clou immédiatement. Remets-le à sa place. C'est pas toi, non, je peux pas. Je peux pas parce que c'est un cadeau. Alors c'est pas toi qui vas me dire ce que je vais faire. Un cadeau, ça ne se refuse pas. C'est pas un cadeau? Tu l'as carrément demandé, tu l'as exigé. En plus, c'est pas toi qui voulais un cadeau pour ta mère. Remets-le à son clou immédiatement. Ou je leur dis que tu les fais marcher. Et que toi-même, tu t'es foutu de leur gueule. Tant pis. Je préfère ça plutôt que vider leur appartement. Je vais pouvoir me regarder dans la glace. La glace! Mais oui! Justement, elle est là, la glace. Et il me fallait un miroir pour le hall de l'entrée. Laisse-le. En même temps, il n'est pas top, hein, le miroir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend quand même? Laisse-le. Voilà! C'est pas trop petit, t'es les aides pour emballer le tableau. Ça te protégera, c'est ça qui compte. Je vais quand même garder la page des blagues parce que je l'ai pas encore lue. Donne-moi ça. Ah, voilà. Donne-moi ce miroir. Riez avec tes aides. Je vais chercher les plastiques. Donne-le-moi. Fragonier. Très bien, tu l'auras voulu. Voulu quoi? Ah, non, rien. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que... Hey, Patricia, tout ce qui se passe depuis le début, c'est que... En fait, non, c'est pas ça. En fait, on s'est un peu engueulé dans la voiture avant de venir. Qui ça? Patricia et moi. Et donc, on était un peu tendus en arrivant ici. Ils sont où les plastiques, chouchou? J'arrive. Hey, oh, oh, oh. Bravo, tu as été très convaincant. Mais je vais leur dire, t'inquiète pas. Ouais, ouais, tu en étais à... Oh, je sais très bien où j'en étais, je te remercie. Tu peux m'aider, Christophe? Non, je peux pas, c'est ça. Et je lui mets ça aussi?
C'est quoi? C'est une cassette? Oui, c'est l'Hongrois qui nous l'avait donné, on l'a jamais écouté. Je la donne à Patricia. Rien à voir avec la Hongrie. Ah, ça peut peut-être lui plaire. Ça, musique. Musica. Hongrie. Hongria. Voilà. Voilà. Stroke. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je décroche la peinture, viens de tenir, je veux pas tomber. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je décroche la déco, ça va pas du tout avec les couleurs. Non. Ah, maintenant, arrêtez, il faut vraiment que je vous parle. Non, mais on l'a pas acheté cher, hein, tu sais. Oh, on l'a pas acheté du tout, c'est un cadeau de ta mère. Non, arrêtez. Christophe, avec nous. Très bien, je vous accompagne. Oui, bravo Christophe. Oh Christophe. Elle est française. Ramoli et Ramola. C'est fini Ramoli. Et Ramola. Ramola aussi. Elle est française. Elle est française. C'est une blague. On vous fait marcher. Je sais, c'est pas sympa, c'est même inexcusable. Vous allez m'en vouloir, mais... Quand c'est pas Zigane, videz pas votre appartement pour elle. Elle est française. Qui? Patricia. Patricia? Elle est française. Et pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Ça te gêne qu'on lui fasse des dons, mais... C'est pas un problème, tout est cassé. Non, c'est pas ça, c'est que... Simplement, je vous le dis, elle est française. Bon alors, moi, je comprends plus rien. Pourquoi qui dit qu'elle est française? Parce qu'elle est française. Elle n'est pas chouvette. Non, ça c'est ce que tu as cru. Mais c'est une blague. Si, je sais qu'elle est chouvette. Patricia? Savonnier. Ah, tu vois? Stravonier, rien du tout. Patricia, dis-leur que tu es française. Stravonier Chouvenia. Patricia, t'es née à Nice, maternité de l'hôpital Larchet. Ça suffit maintenant. Pastaran Chouvenia. Tu vois bien qu'elle est chouvenne. C'est pas très gentil de se moquer d'une culture simplement parce qu'elle est différente de la nôtre. Patricia, dans cette maison, on peut être noir, juif, arabe, même monégasque, ou normal, il n'y a pas de différence. No difference, you and me, brother and sister. Brother and sister. Attendez. Il revient. He's coming back. Oh, t'as vu Chouchou comme elle a peur quand il s'éloigne? I'm happy to meet you. Me too. Vous voyez bien qu'elle est française. Quoi? Regardez. C'est sa carte d'identité. Elle est née à Nice. Maternité de l'hôpital Larchet. Ah oui, c'est sa photo. Bah c'est sa carte d'identité, oui. Je comprends pas. Elle est chouvenne ou elle n'est pas chouvenne? Voilà Patricia, je te mets un petit peu la honte, mais c'est bonne guerre, c'était prévenu. Pas Polizei. Ben oui, c'est ça. Pas Polizei. Elle a peur de la police? Non mais, je vous l'ai dit, elle est française. Mais c'est des faux papiers? Mais non, ils sont prêts ces papiers.
Patricia, Pas Polizei, ils en loupent. Non. À mon avis, elle a peur que tu la livres à la police. Elle est clandestine alors. Pas Polizei. Stravonia Chouvenia, pas Chouvenia. Et alors, c'est vraiment les faux papiers? Mais non, ils sont vrais, ces papiers. Oh, mais vous n'avez pas fait des démarches pour lui obtenir de vrais papiers? Ah, oh bah c'est ballot, ça, hein. Non, mais parce que mon beau-père, le mari de ma mère... Ah oui, bonne idée, très bonne idée. Il travaille à la préfecture de Nice, sur la 202. Toute la journée, il reçoit des gens qui demandent des papiers. On peut peut-être lui demander qu'il fasse quelque chose pour nous. Ah, mais oui. Ça serait une très bonne idée, ça. On va lui envoyer Patricia. Patricia, toi vouloir aller demain préfecture Nice, voir Estrosi ou Ciotti? Tu veux que j'appelle? Ça ne te dérange pas? Pas du tout, ils sont à la maison toute la soirée, ils reçoivent des amis. Toute la journée aussi, en général, ils envoient des types. À l'aéroport, on peut peut-être lui demander qu'il fasse quelque chose pour nous. Enfin bon, faudrait quand même pas qu'il la renvoie au Cameroun. Quoique. Cameroun. Ça serait peut-être ça la solution. T'es déjà allé au Cameroun? T'as ta brosse à dents? Allô, maman? C'est moi. Oui, excuse-moi de te déranger. J'aurais voulu demander un petit truc à Patrick. Oui, j'en ai pour 2 minutes. D'accord. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que je lui dis? Demande-lui s'il parle chou-même. Tu pourras lui passer directement Patricia. Allô, Patrick? Oui, excuse-moi de te déranger. Mais les amis que je reçois, ils ont un petit conseil à te demander. En fait, elle est réfugiée politique et pour l'instant, elle est clandestin. De Chouvenie. La Chouvenie. Chouvenie. Bah si, c'est en ex-Yougoslavie. Je pense qu'il a le mort de rire. Chouveni. Ils viennent de quelle ville? Chougrad. Ils viennent de Chougrad. Ça a changé de nom, après la chute du mur. Ça a changé de nom à cause d'un mur qui s'est écroulé. Je pense qu'il a, il est mort de rire. Bon, ben, je te rappelle plus tard. Oui, je sais, vous avez des invités. D'accord, je t'appelle demain. Bisous. Alors? Il m'a dit que ça n'existait pas. Ah, c'est normal, s'il s'occupe que du Cameroun. Non, c'est bizarre. Depuis tout à l'heure, je vous dis que ça n'existe pas. Ce n'est pas normal qu'ils me disent que ça n'existe pas. Si, c'est normal. Et en même temps, s'il avait des invités à côté de lui, il voulait peut-être pas être explicite. Tu crois? Il t'a dit de le rappeler demain. Ah oui, en fait, c'est ça, c'est vrai. Il va pas dire devant des invités qu'il peut obtenir des papiers en 12, des passe-droits pour des amis à lui, imagine. Et il risque gros. Jean Moulin. Bon. Si on peut même plus compter sur Patrick pour arrêter le délire. Vas-y, Patricia. On va arrêter. Vous irez pas loin, hein. C'est le télé noir et blanc qui va nous lâcher d'un jour à l'autre. Mais c'est parfait ça pour la Chouvenie, noir et blanc qui tombe en panne. Mais y'a pas de problème, tu peux la prendre. On en a mis une autre sur la liste de mariage, on l'aura dans 3 semaines. Tu veux leur télé? Gandalé? Télé. Saralozera, télé Gandarine? Slavoni télé. Rastavoulou, TF1, France 2. Et Canal Plus? Canal Plus! Gorda Panou, Gorda Paris, noir et blanc. Il dit, mais tu parles vachement bien. T'as appris en combien de temps? 5 minutes. Stage intensif. Immersion totale. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la télé? Comment on va faire si on n'a plus la télé? On peut bien vivre sans télé pendant 3 semaines. C'est comme si on partait en vacances. Mais même en vacances, on a la télé. On n'a jamais essayé, je suis sûr que c'est une très bonne idée. Allez. Bon d'accord, allez, jette à l'eau. Donne-lui la télé. Tu vas voir, elle est pas lourde, elle tient dans un sac plastique. Merci qui? C'est au pied, Christophe. Tu veux autre chose? À
Ravanidi Panaram Rondelou. Ah, Slorobadi. Venezia. Que c'est joli. Qu'est-ce que c'est? C'est Venise. Quand on la retourne, ça fait de la neige. Elle veut la prendre? Enfin, Jean-Luc, tu vas pas leur donner ma boule. Tu veux pas? Enfin, Jean-Luc, qu'est-ce qui te prend? Te fâche pas, chouchou. Enfin, Jean-Luc, tu leur donnes ma boule? Tu oses faire ça devant moi? Mais non, je lui donne pas. Elle voulait savoir ce que c'était. Je lui explique, c'est tout. Tu oses faire ça devant moi? Tu lui donnes ma boule? Eh ben, vraiment, je te remercie, Jean-Luc. Je te remercie. Il y a un malaise? En fait, cette boule de Venise sous la neige, c'est un cadeau que je lui ai fait moi. À Venise? Non, à Carrefour. Ah, mince! J'aurais pas dû lui proposer. Oh là là, chouchou! C'est pas gagné pour la boule, hein? Presque sûr qu'ils vont me la donner, moi. Je suis pas sûr, hein? C'est quand même le souvenir d'un voyage en amoureux. Ah! Carrefour! Qu'est-ce que tu paries que je repars avec? Ah, si tu repars avec, t'es très forte. Ah, j'aimerais bien. On parie quoi? Si tu repars avec cette boule, je t'épouse. C'est vrai? Ouais. Tu m'épouses, mais tu me proposes quoi exactement? Un mariage blanc? Ah non! Un vrai mariage! Avec un spectacle de sketch de ta vie, de la naissance à la Chouénie. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et en plus, je te fais un enfant. Oh, tu maries avec moi et tu me fais un enfant. Ouais. Oh là là. Et si je repars pas avec? Je te livre à Patrick et je t'envoie au Cameroun. Eh ben, tu choisis. C'est pas évident quand même. Bon, ben, je te remercie. Elle est pas fâchée? Pourquoi? Pour la boule. Ah. Ben, je suis désolée, hein. J'y avais pas pensé, hein. Je peux très bien lui donner, j'en prendrai une autre pour moi, la quinzaine d'Italie. Mais bien sûr. Oui, mais si la quinzaine de l'Italie est terminée, je ne la trouverai plus. Ça a commencé mercredi. Oui, mais des fois, la quinzaine de l'Italie, elle dure que 8 jours. Oui, mais peut-être pas cette fois. Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui donne? Réfléchis bien. Tu es sûr que tu veux lui donner? Prends bien ton temps. C'est très important pour moi. Si, 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 je lui donne, j'en prendrai une autre à Leclerc. À Carrefour? Ah ben non, Jean-Luc. C'était pas à Carrefour? Ah non, c'était à Leclerc. Je sais très bien où on est allé ce week-end-là. Oui, bon, en même temps, c'est pas très important. Ben si, c'est important. Tout ce qui nous concerne tous les deux, c'est important. C'est peut-être pas important pour toi, mais pour moi, c'est très, très, très important. Mais pour moi aussi, chouchou, enfin. Ben alors, tu leur donnes ma boule et tu dis que c'est pas important. Mais non, mais pas du tout. Ben si, tu donnes, mais je te remercie, mon Jean-Luc, je te remercie. Oh, chouchou! On l'avait presque. Oh là 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 là. Oh, je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Mais c'est de notre faute. On n'aurait jamais dû parler de cette boule de Venise. Je suis extrêmement gêné. Écoute, éventuellement, on a une autre dans la chambre avec Châteauroux dessus. Si elle connaît pas la France, ça peut peut-être lui plaire. Vous l'avez ramené du Leclerc? Bah non, de Châteauroux. Oui. Tu vois, Christophe, ça fait 4 ans qu'on se connaît avec Chouchou, et ben, on s'était encore jamais disputé. Ouais. Chouchou, Jean-Luc. On est plus fâchés, Nathalie. Puisque visiblement, ça ne te dérange pas de donner un cadeau que tu m'as fait. Non, mais lui donne pas, c'est bon. Tiens, Patricia, retourne là et vois comme c'est joli. Stropié, Nathalie. Merci. Stropié, Christophe.
Ramadidi, quand on n'a pas nous, Roulou. Tu vois, eux, ils savent apprécier. Oh, me te fâche pas, Chouchou. Je fais ce que je veux. Oh, Chouchou. Si c'est une fille, on l'appellera Venise. Et si c'est un garçon? C'est un Châteauroux. Elle t'a donné Châteauroux. Oui, mais tu savais que c'est joli aussi sous la neige. On y va ce week-end si tu veux. Tu m'emmènes où? Ah non, là. À Châteauroux. Voilà la tarte. C'est une tarte aux pommes. Mais on n'a pas encore mangé de fromage. J'en prends pas. Vous voulez pas les fromages? Non merci, non. Quand même, c'est n'importe quoi donner le gâteau quand on n'a pas encore mangé le fromage. Tout ce que je fais, tu le critiques. Personne ne veut de fromage. Tu en veux peut-être? Non, c'est bon. C'est sans importance. Excuse-moi d'apporter ma tarte, si ça me fait plaisir. Ça, c'est comme quand j'étais au lycée. Ah oui? J'étais amoureuse de mon prof de philo. C'est un peu comparable à vous, puisqu'avec lui aussi, il ne s'est jamais rien passé. En tout cas, le jour où vous ferez l'amour, Patricia et toi, si un jour vous faites, je suis sûre que ce sera formidable. C'est quoi encore cette histoire de prof de philo? Mais ça te regarde pas, qu'est-ce que tu crois? J'ai une vie avant de te connaître. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais rien du tout. Je dis simplement que j'ai le droit de vivre. Mais j'ai jamais dit le contraire. Alors t'es gentille, tu me laisses respirer. Mais enfin, chouchou. Je m'appelle Nathalie. D'accord? Et puis, tu feras le plaisir de pas toujours tout te laisser imposer par ta mère. Ah, d'accord. Ouais. Et puis les cousines du remariage de Pépé de Montpellier, c'est même pas la peine. On avait dit 50-50, tu as 21 invités de plus que moi, tu te débrouilles comme tu veux avec ta mère, c'est pas mon problème. Bon, on va peut-être arrêter de parler de ma mère. Je pense aussi. On va arrêter de parler de ma mère qui donne quand même 8000 euros pour le mariage, je te le rappelle. 8000 euros qu'elle n'a toujours pas donné. D'ailleurs, en attendant, c'est qui les avance? C'est pas toi. Oui, je sais, c'est ton père. C'est ta sœur. Oui, ma sœur qui donne déjà beaucoup par rapport à ce qu'elle gagne. Oui, et ben tu vois, je trouve que c'est pas normal. Que ton père donne si peu, justement, et que toi, tu sois obligé de faire un emprunt. Mais de quoi je me mêle? Ça va bien, non, à la fin? Mon père, il nous a payé l'appartement. Mon père. D'accord? Alors, et si t'es pas content, tu peux aller dormir ailleurs. Oui, je sais, chouchou. Ou alors, on invite les grand-mères et machin, les grand-mères de Pépé de Montpellier. C'est pas ça. Mais... Le Luigi? Non, je vous l'avais déjà dit. Je te préviens, si ton père aussi se pointe en blue jean au château, frère. C'est mon père aussi. Il n'arrête pas de lui dire qu'il viendra au mariage en jean et en botte et depuis elle est hyper stressée. Faut arrêter là maintenant, c'est bon. Ouais, alors d'accord, on invite les grands-pères du pépé de Montpellier, mais moi, j'invite Christophe et Patricia. Voilà. Non. Si, il n'y a pas de raison. Mais non, vous avez déjà assez de problèmes, on va pas s'ajouter. Il n'y a pas de raison que je me tape. Cousine du grand-père du remariage de Montpellier et que mes amis ne puissent pas venir. Ils sont où les faire part? Je sais pas. J'aimerais bien. C'est bon, je sais où c'est, je vais t'aider. On va quand même pas se taper leur mariage. Ah oh bah tu fais ce que tu veux, mais moi je veux y aller. Je veux voir Dalida. Parole. Moi ces mots-là se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Je m'en fous! Tu demanderas à ta mère, puisque c'est pas un problème pour elle d'inventer des places à table! Mais les chouchous se parlent enfin pour de vrai! Mais tais-toi, chouchou! Non, parce que franchement, une histoire d'amour sans engueulade, c'est pas une vraie histoire d'amour! Ouais, enfin, il y a un juste milieu à trouver, non, quand même? Mais arrête de m'appeler chouchou, c'est ridicule! Mais dis-toi, ils peuvent nous entendre! Je m'en fous! Ils s'en foutent! Interdito. Oh, voilà le frère qui parle. Il y a le plan. On vous réserve une chambre à côté du château. Il n'y a pas de problème. Non, vous n'avez pas. Si. J'aimerais bien y aller. Où ça? Un souvenir pour le voyage de noces. Ah. J'aimerais bien y aller. Ah non, chouchou pour...
Pour le voyage de noces, on va à l'île Maurice. Pourquoi ? Qu'on irait pas en Chouvigny pour le voyage de noces ? Parce que j'ai pris des billets pour l'île Maurice, chouchou. Mais enfin, t'aurais pu m'en parler avant, quand même. Mais je t'en ai parlé avant, chouchou. De là à prendre les billets. Bah, excuse-moi, je pensais que ça te ferait plaisir. Tout le monde y va à l'île Maurice. Bah oui, tout le monde y va parce que c'est beau. Non, mais moi, je peux pas. Je pourrais pas aller là-bas. J'aurais trop honte de dépenser autant d'argent dans un pays pauvre. Mais c'est pas un pays pauvre, l'île Maurice. Y'a que des 5 étoiles. Et alors, t'as pas annulé ? Ben, l'assurance annulation, elle marche que si on annule le mariage. Ben non, mais faites comme vous avez prévu. Ou alors, je peux toujours les déchirer et dire qu'on les a perdus. Ah oui ? Non, mais déchire pas tes billets, tu seras pas remboursé. Ben, et puis après tout, quelle importance ? Tout le monde y va sur l'île Maurice. Il y en a marre de l'île Maurice. Allez hop ! Déchire pas tes billets. Et voilà ! Voilà ce qu'il reste de l'île Maurice ! Allez, go. On va devoir pas tarder, nous. Ah bon ? Eh oui. Vous voulez pas un café ? Non. Une part de tarte ! Et je me lève tôt demain. Bah alors, n'oubliez pas vos cadeaux. Ah, ouais. Je sais pas comment on va faire pour transporter tout ça. Je repasserai un autre jour. Mais non, on va tout mettre dans un sac. Il n'y a pas de souci. Ici, j'ai un caddie. On te fait ça, il n'y a pas de souci. Ça va pas vous manquer, tout ça ? Même le coucou, là, en fait. Non, ça nous fait plaisir. Oui. Vive la Chouvigny, c'est beau la Chouvigny, c'est beau. Ben, merci pour tous ces cadeaux, hein. Ah, mais c'est pas pour toi, c'est pour la Chouvigny. Eh oui, la Chouvigny, oui. Allez, au revoir, Nathalie. Au revoir, Christophe. Allez. Au revoir, et au 22, hein. Au 22 quoi, là bah... Ah ouais. Allez, au revoir les amoureux. Alors vraiment, je tenais à vous dire que j'ai passé une super soirée. Eh bien, c'était pas gagné, dame. Christophe, oh, oh. Dis donc, elle apprend super vite. C'est la première fois qu'on fait venir une troupe de théâtre ici à la Fondation. Mais je pense que c'est une réussite. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ! Est-ce qu'ils pourront revenir avec une autre pièce ? Oui !
Voilà, donc je pense que ça a vraiment plu. Merci pour tout. Bravo. Et merci pour l'accueil. Très sympa, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Oui, oui. Et si on revient avec une nouvelle pièce, il vous faudra chanter. On s'en fout, on le bras et puis c'est tout, on chantera. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne soirée. Bonne nuit.